lire, lire. Ma passion, ma déraison, qui m'entraîne au fil des phrases, au gré des mots de ma chanson. Ouvre, ouvre une page, deux et trois, puis par million. Découvre. Je ne peux pas lire, c'est trop ennuyant. Mais non, c'est très amusant. Je vais allumer la télé. Vous aimez pas lire? Vous trouvez lire ennuyant? Nous avons la solution. Vous pouvez lire des mangas si vous n'aimez pas de gros briques. Si vous êtes fatigué des histoires, comme moi, vous avez aussi les livres de recherche, des animaux, des plantes, même de la mythologie. Vous les lirez? Venez dans notre bibliothèque Nescau de Jordan. La lecture, faites-les! Maintenant, j'aime lire, c'est génial. Te vois comme c'est intéressant. Sages qui bientôt te captiveront. Un premier chapitre, déjà des questions. Oubliez le titre. Ouf, quelle nuit. Oui, nous sommes essayés. Vous voulez aller au bowling? Non, parce que hier, on va déjà aller. D'accord. Vous voulez aller au parc? Non, tous les jours c'est le même. Vous voulez aller à la bibliothèque? Non, nous aimons pas lire. C'est ennuyant. Vous pouvez convaincre. D'accord. Quel genre vous aimez? J'aime beaucoup Jérémy Stilton. Moi, Béa Stilton. Et moi, les BD. D'accord. C'est le livre que vous aimez. Merci. Vous voulez que demain on tourne à la bibliothèque? D'accord, d'accord. J'aime beaucoup lire. Moi aussi, moi aussi. Et vous? L'histoire a raison. Le héros s'anime, le décor est bon. Tes yeux s'illuminent, ça devient très long. Lire. Et le titre de l'œuvre de théâtre est le livre d'une des souris. Et le titre de l'œuvre est le type dramatique. Les personnages sont trois copains, sont Dana, Jaume et Mia. Le même fantasme est Yéphen, le présentatif, moi, à Ousebus, avec le spectacle. Bonjour, vous savez quoi? J'en ai... Non, ma vie c'est très ennuyante, j'en ai marre de les routines. Moi aussi, je ne sais pas quoi faire du temps libre. Je travaille beaucoup. J'ai besoin d'une pause, je me déconnecte du monde. Bonjour les amis, quel est votre problème? Ma vie c'est très ennuyante et je n'ai marre de la routine. Moi, je ne sais pas faire. Je travaille beaucoup. Ne vous inquiétez pas, j'ai la solution à votre problème. Quelle solution? Dis-nous! La solution est... lire! C'est nul. C'est nul. Mais vous avez essayé? Non, parce que j'aime pas. Moi, lire? Non, vous me donnerez une crise cardiaque. Moi aussi. Ça va pas la tête ou quoi? Allez, on va à la bibliothèque. Vous regardez des films? Oui, moi de comédie. Moi d'aventure et d'amour. Moi de peur et de guerre. Je crois que j'aurai des livres que vous aimerez. Tenez.
de guerre, merci. D'amour, merci. Et de comédie, merci. Vous devez les lire. J'aime beaucoup lire. C'est merveilleux, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci infiniment. Ah, oh, c'était rien de rien. Merci parce que maintenant, chaque nuit, je vais lire. J'aime lire parce que je découvre de nouvelles phrases. J'aime... Moi aussi, j'aime beaucoup parce qu'on apprend la culture générale. J'aime lire parce que je déconnecte le monde. Aussi, lire améliore notre orthographe. Pourquoi être la personne qui regarde beaucoup d'appareils si on pourrait être la personne qui lit beaucoup de livres? Les livres donnent le sourire. Lire, lire, ma passion, ma déraison, qui m'entraîne au fil des phrases, au gré des mots de ma chanson. Ouvre, ouvre, une page, deux et trois, puis pas. Maman, qui l'oblige à lire. Ce livre? Non. Tu dois lire des livres scientifiques. Oui, tu dois lire des livres scientifiques. Oh, je ne veux pas lire ces livres. Comment vous qui lisez des livres qui n'aiment pas? Oui, la bibliothécaire. Non, il doit lire des livres scientifiques. Oui, non. Moi je lis. Moi, quand j'ai petit, je lis des livres de scientifiques. Avec moi, j'ai fonctionné avec qui aussi fonctionnerait. Oh, je ne veux pas lire ce livre. Oui, tu dois lire ce livre. Chaque personne, il doit lire ce qu'il veut, non que les autres veulent. Bon, c'est vrai. Tu veux lire des livres de compagnie? Oui, s'il te plaît. Découvre ces lettres sages qui bientôt te captiveront.